T'accepterais de répondre à une question? Bah oui, mais je suis pas manifestante. Ça fait rien. Je suis journaliste. On s'intéresse aux citoyennes de ce pays. Mais moi, je suis journaliste, là, je travaille. Vous êtes citoyenne de ce pays? Ouais, d'accord. Mais je suis pas là pour manifester, c'est ça que je veux dire. On entend bien. D'accord, bah... Oui, oui, dites-moi. Okay. Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Si j'entends quoi? Qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas, ça me fait penser... Je sais pas. C'est une référence historique, je suppose. Non, d'actualité. D'actualité, bah qu'ils s'en aillent tous, je sais pas, les membres du gouvernement. Je pense qu'il y a des gens qui profitent trop du système. Mais la phrase que vous avez dit, on peut penser que c'est plutôt raciste, qu'ils s'en aillent tous. Mais moi, ça me vient pas du tout à l'idée qu'on parle des immigrés, tout ça. C'est plus les gens du gouvernement qui profitent du peuple, qui devraient s'en aller. Alors c'est quoi la question? Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Au gouvernement. Ça suffit pas? Oui, au gouvernement. Ah bah, les gens qui bossent rue de Grenelle, rue de Varennes, et dans ce coin-là, quoi. Dans le coin des ministères. Le gouvernement Fillon. Voilà. Qu'ils s'en aillent tous. C'est pas de la politique, c'est de la poésie. Donc quand vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à personne? Non, je demande à personne de partir. Comment? J'ai pas entendu. Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, vous pensez à qui? Au gouvernement. Voilà. Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Exactement à ça. Qu'ils s'en aillent tous. Que les acrobates, les phénomènes que nous avons actuellement au pouvoir rentrent chez eux et évacuent rapidement le terrain, rapidement, le plus tôt possible, avant que malheureusement on ne puisse plus contenir le désarroi de l'ensemble de la population. Vous entendez qu'ils s'en aillent tous? Pensez à qui? J'ai pas compris la question. Qu'ils s'en aillent tous? Le Front National! Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas comment expliquer que Sarkozy disparaisse, en gros. Que tous ces problèmes disparaissent également. Ah, tous! La droite s'en aille. Que la droite s'en aille. Voilà. La droite. Et l'extrême droite, bien sûr. Son corollaire, c'est important parce que aujourd'hui tout pousse à ce que l'extrême droite reprenne du poil de la bête et ça c'est insupportable. C'est pour ça qu'on manifestait. Oui. Et pour ma retraite aussi, et pour la retraite de mes enfants. Oui. Je suis un étudiant qui a 25 ans, donc j'ai eu un peu de retard dans mon parcours scolaire. Sortir à 27 ans, moi mon premier emploi je l'aurais pas à 27 ans. Donc moi ça me concerne aussi le premier chef, mais on n'est pas là que pour nous. On est aussi là pour les seniors qui vont être obligés de travailler plus tard, qui vont tomber dans la précarité, les pensions qui vont baisser, le chômage des jeunes qui va augmenter, c'est un mouvement social d'ampleur. Qu'ils s'en aillent tous. Moi je pense pour moi ce serait les ministres. Le gouvernement actuel. Voilà. Je partirai, ouais, dans ce sens-là. Le gouvernement actuel, qui s'en aille tous. Qu'ils s'en aillent tous, parce qu'ils ne valent rien. C'est un bon slogan, en lien avec L'Oréal, Bettencourt. C'est d'actualité, non? Le problème, c'est où ils vont aller. Qu'ils s'en aillent tous. Vous pensez à quoi? Gouvernement. À tous les gouvernements, tous les politiciens gouvernementaux,
racistes, pour les politiques sécuritaires qui n'osent trop pas d'avenir, mais aussi toute la classe des capitalistes qui sont sous le patronat. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui. La perspective à long terme, effectivement, ça doit être qu'ils s'en aillent tous. En premier lieu, le gouvernement. Mais aussi, après, il faut savoir quoi mettre à la place. Qu'ils s'en aillent tous. Ça me fait penser à quoi? Toute cette clique de voyous? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au gouvernement dans son ensemble. Ça me fait penser à cette bande de chenapans qui aspirent la richesse nationale à leur profit. Il vaut mieux qu'ils restent ici, qu'on s'occupe d'eux. Vous voyez? Donc, faut voir le problème sous plusieurs angles. Non, non, sincèrement, non, je ne vais pas. Qu'ils s'en aillent tous, ça ne fait penser à personne. Qu'ils s'en aillent tous? Non. Si vous entendez qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à ce que j'aimerais que le gouvernement s'en aille. Non, je pense à rien, simplement qu'en tant que policier, nous sommes là mobilisés pour partir à une retraite à 62 ans. Moi, je vois mal les policiers demain à 62 ans courir dans la rue. Voilà pourquoi nous sommes là. Allez, collectivement, on y va. Qu'ils s'en aillent tous, ça vous fait penser à quoi? Le gouvernement, faut qu'ils partent tous et qu'on change le gouvernement. Au centre. À Sarkozy d'abord. Et ensuite à tous ceux qui. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Je sais pas, l'UMP, les gens qui sont au gouvernement, quoi, entre autres. Voilà. Je pense à d'autres gens, peut-être pas tous les cités. Entre autres. Ouais. Qui? Faisons une liste. Ah, une liste? Non, non. Ça me fait penser, il me semble que c'est le titre du prochain bouquin de Mélenchon, qui devrait sortir ou qui est peut-être sorti. Et donc voilà, oui, à ce qu'il propose, comme un mot d'ordre, certes simpliste, mais rassembleur, ouais. Rassembleur. Rassembleur. Ouais, rassembleur, qui fout effectivement tous le camp. Voilà. On me rappelle qu'il a dit... Bon, ils sont pas capables, vous êtes pas capables, monsieur Woerth, de faire la retraite à 60 ans. Monsieur Sarkozy, madame Lagarde, vous n'y arrivez pas. Barrez-vous, tirez-vous, si vous n'êtes pas capable de le faire. Le problème, c'est où ils vont aller.